Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette conférence au sujet de Marie-Madeleine et l'éveil de la conscience de la rose. Dans cette conférence, je vais vous parler de la symbolique de la rose, de sa connexion avec Marie-Madeleine, de ce que ça veut dire, la conscience de la rose déjà, et pourquoi cette conscience ou cette énergie de la rose émerge tellement fortement aujourd'hui au sein de l'humanité. On va commencer avec une vidéo. Ce que vous voyez dans cette vidéo, c'est la danse de la planète Terre et de la planète Vénus autour du Soleil, tous les 8 ans pour la Terre et tous les 13 ans pour la planète Vénus. Et cette danse trace un symbole géométrique, un dessin dans les cieux. Et ce dessin qui est formé dans les cieux est cette fleur à 5 pétales ou cette rose à 5 pétales qui est aussi appelée la rose de Vénus. À gauche, vous voyez à nouveau cette rose à 5 pétales superposée sur une vraie rose. Et en dessous, vous voyez la fleur héraldique de l'Angleterre, qui est une combinaison de la rose rouge et la rose blanche, les deux roses de deux maisons royales de l'Angleterre, la maison de York et la maison de Lancaster. Même si cette rose a été choisie de façon inconsciente, elle met quand même une énergie aujourd'hui dans l'Angleterre. Et ça, souvent, où il y a la présence de la rose, même si elle a été choisie de façon inconsciente ou consciente, cette rose va impulser une certaine énergie. Regardez une dernière fois cette rose à 5 pétales, puisqu'on va reparler de l'importance et de la symbolique du chiffre 5 et de ses 5 pétales. Qu'est-ce que ce chiffre 5 nous raconte, les 5 pétales de la fleur de Vénus? La première chose, c'est que nous sommes rappelés à la quintessence. La quintessence est un concept qui est présent dans plein de traditions mystiques et spirituelles diverses partout dans le monde, l'alchimie, le druidisme, le gnosticisme. Et qu'est-ce que ça, la quintessence veut dire? C'est la capacité que l'être humain a de transcender les cinq sens. Donc, nos cinq sens nous permettent d'enregistrer notre monde matériel, visible, physique, et nous placent dans l'espace, nous permettent de rentrer en relation avec la matière dans cette dimension. La quintessence nous dit qu'au-delà de cet aspect matériel, visible et ce qu'on peut directement enregistrer à travers nos cinq sens, il y a aussi un aspect invisible. Et justement, c'est important de se connecter à cet aspect invisible. Donc, on peut se connecter à chacun de nos sens et on peut aller sublimer chaque sens. On peut apprivoiser chaque sens pour sublimer le sens. Par exemple, on a l'ouïe qui nous permet d'entendre les sons de notre réalité. Si on sublime ce sens, on arrive à la claire audience. Et cette quintessence, le fait de transcender les cinq sens, nous permet de rentrer en relation avec le sublime, avec le divin, avec le sacré. Le chiffre 5, c'est aussi le cinquième jour de la semaine. Le vendredi, bien sûr, ce jour a reçu son nom grâce en honneur de la déesse Vénus ou la planète Vénus. 5, 8 et 13 est une partie de la séquence de Fibonacci. La séquence de Fibonacci est une séquence de géométrie sacrée qui, en quelque sorte, donne la formule sous-jacente de la création de l'univers. Donc, par exemple, les plantes, les fleurs, les arbres poussent en suivant cette séquence. Par exemple, une fleur va commencer avec un bouton, puis va pousser 3 feuilles, puis 5, puis 8, puis 13. C'est vraiment la fréquence, la séquence sous-jacente de l'harmonie de l'univers. Et bien sûr, ces trois chiffres sont présents dans la connexion entre la Terre et Vénus, parce que la fleur de Vénus a 5 pétales et est formée tous les 8 ans terrestres et tous les 13 ans de Vénus.
L'année 2021, évidemment, est une année de chiffre 5. Donc, j'ai aussi appelé cette année l'année de la rose. Pourquoi? Parce que justement, cette année rentre en résonance avec le chiffre 5 et le chiffre 5 rentre en résonance avec la fleur de Vénus et l'énergie de Vénus du féminin sacré. Qu'est-ce que cela veut dire pour l'énergie de cette année? Que c'est une année d'ouverture, de floraison et d'opportunité. Ce que cette année nous invite à faire, c'est de briser les restrictions du chiffre 4. Mais le chiffre 4 est aussi le chiffre des fondations. Mais je pense que la plupart des gens, l'année dernière, ont fait l'expérience de l'aspect limitatif et restrictif du chiffre 4. Et ça peut aussi devenir une case dans laquelle on s'enferme ou dans laquelle on est enfermé. Ben, cette année, le chiffre 5 nous dit d'ouvrir, de grandir et de s'expandre au-delà des restrictions. Le chiffre 5 est aussi un chiffre du chaos, mais un chaos fertile, un chaos féminin. Le chaos qui précède la naissance. C'est les contractions avant la naissance. Le chiffre 5, bien sûr, la 5 pétales de la rose de Vénus. Donc, c'est aussi une invitation, vraiment, la présence de ce chiffre en cette année, de vraiment nous mettre en accord avec la conscience de la déesse du féminin sacré, de retrouver la fluidité dans la vie. Qu'est-ce que ça veut dire la conscience du féminin sacré? Ben, c'est une conscience qui fait confiance à la vie, qui place sa foi dans le vivant, qui s'approche du vivant, qui écoute son intuition, qui écoute son intérieur et qui suit les cycles de la vie, qui collabore avec le flux de la vie au lieu d'essayer de ramer à contresens, ce que l'humanité a fait. Depuis longtemps. Alors, la connexion entre la rose et Marie-Madeleine. Bah déjà, vous le voyez dans le dessin, dans l'image, la rose est une image, est un emblème qui est très souvent utilisé pour représenter Marie et Marie-Madeleine. Pourquoi? Bah, vous avez vu la rose de Vénus. Vénus, la planète du féminin sacré, la déesse du féminin sacré. Bah, la rose nous rappelle le féminin sacré. C'est la rose de Vénus, mais la rose a été présente dans toutes les cultes ancestrales de la déesse. Ça veut dire que la rose n'a pas été inventée avec la présence de Marie ou de Marie-Madeleine. Elle n'a pas été associée à des femmes sacrées depuis Marie et Marie-Madeleine. Cette association au féminin sacré, à la prêtresse, à la femme initiatrice et la rose est beaucoup plus ancienne. Et cela veut dire que Marie-Madeleine a hérité plutôt de la présence et de l'énergie de la rose et qu'elle s'inscrit dans une lignée très ancienne de prêtresse dédiée au culte de la déesse. C'est connu aujourd'hui qu'elle a reçu des initiations dans les temples d'Égypte, un des symboles qui était utilisé pour honorer la grande déesse Isis et la rose. Isis aussi qui était très connectée à la planète Vénus. Et c'est le cas pour beaucoup de déesses ancestrales. Le rosaire, je le porte aujourd'hui, le rosaire est utilisé pour prier Marie et Marie-Madeleine. Évidemment, cet objet, on l'oublie, ce n'est pas forcément ce qui est transmis en catéchisme, est connecté à l'énergie de la rose et nous rappelle l'importance du féminin sacré. La rose est la fleur qui représente l'amour et le cœur et elle nous invite à vivre depuis le cœur. Là, dans le dessin aussi, vous voyez que la rose centrale est posée sur le chakra du cœur de Marie-Madeleine. Et c'est vraiment ça, la présence de la rose est toujours une invitation à ouvrir le cœur, à laisser émerger notre vie, nos actions, nos paroles depuis le cœur. C'est vraiment une floraison de l'amour et de l'amour inconditionnel.
La rose décrit une forme de spirale. J'ai une rose ici, donc voilà, je vous la montre aussi. Vous voyez très clairement que là, il y a une spirale qui se dessine, qui représente un labyrinthe. Vous voyez derrière Marie-Madeleine sur ce dessin aussi le labyrinthe de la cathédrale de Chartres. Et une spirale, un labyrinthe, c'est quoi? C'est une invitation à rentrer à l'intérieur de soi, à rentrer au cœur de soi et à se connecter à son cœur, à ses dimensions les plus profondes. En fait, le message de la rose, c'est vous aurez les réponses sur les questions que vous vous posez à l'intérieur de vous. Pour accéder à la gnose, à la vraie connaissance, à la connaissance sacrée, vous avez d'abord besoin de faire ce chemin initiatique et de rentrer au cœur de vous-même. Et quelque part, un labyrinthe, c'est quoi? C'est une représentation 2D de ce message qui est de rentrer à l'intérieur de soi. Il n'y a pas de hasard non plus que dans plusieurs grands lieux ou hauts lieux dédiés à l'énergie du féminin, comme la cathédrale de Chartres, mais d'autres endroits aussi, il y a la présence du labyrinthe. C'est le message de la rose, c'est chercher la vérité à l'intérieur de vous. Rentrer dans votre cœur pour trouver la réponse. De la même façon, une spirale ou un labyrinthe est aussi une invitation à l'expansion. En quelque sorte, le chemin initiatique qui nous est proposé, c'est si vous faites ce chemin vers vous-même, peut-être paradoxalement, vous vous connectez à l'univers entier. En faisant ce chemin de rentrer à l'intérieur, vous faites automatiquement un chemin d'expansion. 2021, cette année 5, l'année de la rose, est aussi l'année de la prophétie Qatar. Je vais vous parler plus en détail de cette prophétie Qatar, mais je voulais d'abord vous donner un peu de contexte. Comment et où, dans quelles circonstances, est-ce que cette prophétie Qatar a émergé? Déjà, dans les cours d'Occitanie, dans le sud de la France, dans l'11e et le 12e siècle, il y a eu une vraie renaissance de la présence de la rose, du culte de la rose et de l'histoire de l'amour entre Marie-Madeleine et Jésus. Beaucoup de ces cours soutenaient ou pratiquaient ouvertement la foi cathare. Et cette combinaison entre ces cours en Occitanie où il y avait une vraie abondance artistique, culturelle, intellectuelle et l'union avec cette foi cathare a donné ce qu'on appelle aujourd'hui les cours de l'amour ou les cours de la mort. Amor qui est, évidemment, le mot est à l'inverse de romain. Et quelque part, ça dit beaucoup de choses déjà. Cette église, en quelque sorte, dans pas mal d'aspects, allait à l'encontre du dogme de Rome. Les principes de base de ces cours dans le sud de la France et de leur philosophie, c'était que les hommes et les femmes étaient égaux. Et c'était la même chose dans la foi cathare. Les prêtres et prêtresses pouvaient être masculins ou féminins. Les arts servent à exprimer la beauté de la vie et du divin. Et l'amour courtois, ou l'éros, qui est l'inverse du mot rose, est une forme d'art sacré. Donc, toutes les images qu'on a aujourd'hui de la chevalerie romantique, du chevalier qui dédie sa vie à une belle dame, à une dame noble qui part à la quête de la gloire ou qui rentre dans une bataille en prêtant serment à une dame, à un principe féminin, ça vient de cette époque-là. Ça a été en quelque sorte inventé à cette époque-là. Et cette idée du chevalier qui se fait adouber par la reine,
vient de traditions mystiques très anciennes dans lesquelles on pratiquait le rite de Hieroscamos. Hieroscamos est le rite de l'union sacrée, est un mariage symbolique qui parfois devenait un mariage aussi réel d'un homme et une femme. C'est le mariage symbolique du principe masculin et du principe féminin. Et dans ce rite, c'est la prêtresse, c'est la femme initiée qui initie l'homme à la connexion au sacré, au divin. Donc l'homme est baptisé en quelque sorte par le principe féminin. Grâce à ça, il reçoit l'accès à sa connexion divine et en retour, il offre à la dame, il offre au féminin la connexion au masculin sacré. Et c'est de là aussi, c'est toute cette symbolique du rite d'adoubement, c'est le masculin qui reçoit sa connexion au spirituel du féminin et qui, au retour, offre son épée, offre la connexion au masculin sacré, au féminin. Jésus et Marie-Madeleine étaient les exemples les plus récents de ce rite d'Hieroscamos, de cette union entre le féminin sacré et le masculin sacré, dans leur cas, pas uniquement symboliquement, mais aussi dans l'incarnation. La peinture, la littérature et les chansons des cours d'Occitanie étaient saturées de références cachées à l'union entre Marie-Madeleine et Yeshua et l'existence possible ou probable de un ou plusieurs enfants. Évidemment, cela dérangeait et commençait à déranger de plus en plus l'Église de Rome. Cela représentait un vrai danger pour le dogme catholique mis en place par l'Église de Rome. En plus, ces cours d'Occitanie recevaient de plus en plus de renommée. Il y avait de plus en plus d'artistes, d'intellectuels du monde entier qui voyageaient dans ces cours pour aller partager leurs connaissances, pour apprendre aussi ces connaissances sacrées. Et évidemment, ça commençait à poser un problème et c'était vu comme une menace par l'Église de Rome. Ça, c'est certaines images d'art qui parlent de cette époque. Là, dans une des images, vous voyez les fleurs, les roses à cinq pétales. Très souvent, dans ces œuvres, il y a la présence de la rose pour montrer cette présence de Jésus et de Marie-Madeleine. Les cathares, les templiers et les cours d'Occitanie étaient considérés comme les gardiens d'un dangereux secret. Quel était ce dangereux secret? Ben, c'était le couple Jésus et Marie-Madeleine. Et l'importance du féminin et du féminin sacré, qui évidemment est une menace pour une institution qui a mis en place un dogme purement masculin et patriarcal. Les cathares disaient suivre les vrais enseignements du Christ, ils le revendiquaient vraiment très fortement, évidemment une autre menace pour l'Église de Rome. Le roi de France, Louis VIII, pendant très longtemps n'est pas intervenu dans le conflit entre les cathares et l'Église de Rome. Mais à un moment donné, aussi suite à l'insistance de sa femme, Blanche de Castille, il a décidé de s'allier à l'Église de Rome ou de soutenir le Vatican. Dans sa lutte contre les cathares, il a vu aussi une opportunité politique parce qu'il pouvait reprendre le pouvoir sur les royaumes du Sud, qui étaient très riches, très abondants. Et il a décidé d'aider le Vatican, ce qui a donné naissance à la fameuse croisade albigeoise, le massacre de Béziers, qui a eu lieu un 22 juillet 1209. Évidemment, il n'y a pas de hasard que ce massacre a eu lieu un 22 juillet, la fête de Marie-Madeleine. C'est vraiment pour placer une énergie très négative sur cette date. Le massacre de Montségur, peut-être le plus connu,
le 16 mai 12044. Et ces deux événements-là étaient vraiment le vrai début de la chasse aux sorcières. Suite à cette croisade et à ces événements, l'Église de Rome a développé une sorte de paranoïa vis-à-vis de personnes qui pouvaient représenter une menace contre le dogme de l'Église catholique. Et donc, ils ont vraiment activement cherché à éradiquer toute résistance contre ce dogme. Évidemment, les victimes, très souvent, étaient des femmes parce qu'ils n'avaient pas oublié que dans la foi cathare et dans les enseignements originels christiques, les hommes et les femmes étaient égaux. Donc, chaque femme qui prétendait à... ou qui montrait un désir d'indépendance, forcément était associée à cette foi cathare ou était vue directement comme une menace au système patriarcal de l'Église. Le dernier événement est le meurtre des Templiers le 13 octobre 1307. Un vendredi 13, et c'est depuis cette date-là qu'on pense que le vendredi 13 porte malheur. De nouveau, une date pas choisie par hasard, le vendredi, le jour de Vénus, le 13, le chiffre de Vénus. Donc, de nouveau, cette énergie très malsaine, meurtrière, placée le jour de la déesse. Comme une double attaque contre le féminin, quelque part. Alors, cette prophétie cathare, à quoi est-ce qu'elle fait référence? Ben, à deux choses différentes. La première chose, ce sont les mots exprimés par Guillaume Bilibaste, qui était le dernier cathare tué sur le bûcher à Villerouge-Terménès en 1321. Et juste avant sa mort, il a proclamé les mots suivants, « Al cap des 700 ans, verdegera le laurel ». Ce qui veut dire... Après 700 ans, le laurier fleurira à nouveau. Le laurier, évidemment, la couronne de laurier qui est la couronne du vrai roi. Ce qui veut dire, c'est que dans 700 ans, une floraison de la foi cathare va à nouveau avoir lieu, où l'Église de la mort, de l'amour, va émerger à nouveau. Donc, c'est une prédiction qu'il a faite. 13021 plus 700, on y est, 2021. Donc, sa prédiction aurait lieu en 2021, cette année, l'année de la rose. La deuxième chose auquel cette prophétie cathare peut référer est un texte passé de génération en génération parmi les initiés, surtout des initiés de la tradition lacano du sud de la France, et est une prophétie sur la renaissance d'une église d'amour dans le futur lointain. C'est une vision d'une église du nouveau monde. Ils avaient prévu la renaissance d'une nouvelle église et ils ont décrit cette nouvelle église. Et je vais vous lire cette description de l'église du nouveau monde selon ses initiés. À quoi ressemble cette église, cette nouvelle église de l'amour? Elle n'a pas de structure, seulement de la compréhension. Elle n'a pas de membres, sauf ceux qui savent de qui ils en font partie. Elle n'a pas de rivaux, car elle ne nourrit pas d'esprit de compétition. Elle n'a pas d'ambition, elle ne cherche qu'à servir. Elle ne connaît pas de frontières, car les nationalismes sont dépourvus d'amour. Elle n'est rien en elle-même, car elle cherche à enrichir tous les groupes et toutes les religions. Elle n'a pas de secret, pas d'arcane, pas d'initiation, si ce n'est la vraie compréhension du pouvoir de l'amour et que si nous le voulons, le monde changera, mais seulement si nous changeons nous-mêmes d'abord. Elle reconnaît tous les grands enseignants de tous les âges qui ont manifesté la vérité de l'amour. Ses participants pratiqueront la vérité de l'amour de tout leur être.
Elle ne cherche pas à enseigner, mais à être, et par cet état d'être, à enrichir. Elle reconnaît la planète entière comme étant un être dont nous sommes tous une partie. Elle reconnaît que le temps est venu pour la suprême transmutation, l'acte alchimique ultime du changement conscient de l'ego du monde dans un retour volontaire dans le tout. Elle ne se proclame pas à haute voix, mais dans les sphères subtiles de l'amour. Elle salue tous ceux qui, dans le passé, ont montré la voie et ont payé le prix. Ses membres se reconnaîtront par leurs œuvres et leur être, et par les yeux, et par aucun autre signe extérieur qu'une accolade fraternelle. Ses membres consacreront leur vie à l'amour silencieux de leur prochain, leur environnement et la planète, tout en accomplissant leur tâche, si exaltée ou humble soit-elle. Elle reconnaît la suprématie de la grande idée qui ne peut être accomplie que si la race humaine pratique l'amour. Elle n'a pas de récompense à ouvrir, ni à offrir, ni ici, ni dans l'au-delà, si ce n'est la joie ineffable d'être et d'aimer. Ses membres chercheront à faire avancer la cause de la compréhension, faisant le bien et en restant dans l'ombre et enseignant seulement par l'exemple. Ses membres guériront leur prochain, leur communauté et notre planète. Ses membres ne connaîtront aucune peur et point de honte, et leur connaissance l'emportera envers et contre tout. Tous ceux qui en font partie appartiennent à l'Église de l'amour. Voilà cette prophétie de cette nouvelle Église qui est censée émerger à notre époque, dans notre ère. Et pour moi, c'est effectivement ce qui est en train de se produire, et c'est ça aussi le message de cette année 5, de cette année de la rose, c'est que cette nouvelle conscience commence à émerger, à fleurir à nouveau au sein de l'humanité. Mais comment est-ce que cette réémergence, cette présence de la rose se manifeste aujourd'hui dans notre monde, et comment est-ce qu'elle a survécu au cours de toutes ces années et tentatives de suppression de ses connaissances et d'oppression des personnes qui la pratiquaient. Mais évidemment, il y a les Terres Saintes en Israël, Palestine, mais tout le Moyen-Orient qui sont très imprégnés de la présence de la rose. Déjà, c'est quand même la région où la rose, la fleur, est née, et de par la présence de Marie et Marie-Madeleine. Mais évidemment, aujourd'hui aussi, on a des sites très fortement connectés à l'énergie de Marie-Madeleine dans le sud de la France et dans le sud-ouest de l'Angleterre. Pourquoi? Parce que après le départ de Marie-Madeleine des Terres Saintes au Moyen-Orient, elle a enseigné ses connaissances, elle a continué à transmettre son savoir dans des écoles de mystère qui étaient déjà existantes, et elle a fondé de nouvelles écoles là où il n'y en avait pas encore pour permettre à cette gnose, à ses connaissances de survivre et d'émerger à nouveau à l'époque où la conscience humaine serait prête pour accueillir cette présence de la rose, pour vraiment être cette rose à nouveau. C'est ce qu'elle a fait. Dans certaines écoles, comme par exemple à Rennes-les-Bains, qui était une école de mystère qui existait déjà, elle est venue partager son savoir. Dans d'autres endroits, elle a fondé une école. Pourquoi? Parce qu'elle savait qu'il y avait une forte probabilité que les traces des enseignements d'origine seraient détruites. Évidemment, Marie-Madeleine était déjà née dans une société patriarcale. Il y avait déjà plus d'égalité entre les hommes et les femmes. Et d'ailleurs, le premier acte vraiment marquant après la mort de Jésus, c'était quand Marie-Madeleine a proposé de continuer à répandre, à enseigner la bonne parole. Plusieurs des apôtres lui ont dit,
Non, en tant que femme, on ne va pas t'écouter, on n'a pas envie qu'une femme soit porteuse de ce message. C'était quelque chose, évidemment, auquel elle a dû faire face plusieurs fois, et dans, pas uniquement dans le Moyen-Orient, dans le monde entier. C'était difficile d'écouter une femme et de recevoir les connaissances sacrées de la part d'une femme. Quand elle a vu que c'était pas possible pour elle de rester et d'enseigner ses connaissances, elle a décidé de voyager après avoir mis en place avec certains apôtres une transmission sur place dans les Terres Saintes, d'organiser un réseau de personnes qui pouvaient écrire les enseignements. Et une grande partie de ça a été retrouvée dans les manuscrits de la Mère Morte et les parchemins de Nag Hammadi. Il y a plusieurs écrits gnostiques, évangiles gnostiques venant de plusieurs apôtres, dont certains sont attribués à Marie-Madeleine. Au-delà des écrits, par contre, il y a aussi la transmission énergétique. Au-delà des écrits et transmission orale, parce que la transmission orale, c'est tout ce qui nous est parvenu à travers les contes, les légendes, les chansons, des troubadours, des bardes qui ont continué eux aussi à raconter l'histoire de l'union entre le masculin et le féminin, le mariage de Marie-Madeleine et de Jésus. Cette transmission énergétique, elle se passe aujourd'hui à travers la rose. Elle a encodé en quelque sorte ses transmissions, ses connaissances dans le symbole, l'énergie de la rose. Si on connaît vraiment la fleur, si on connaît vraiment la rose, ben on connaît aussi la source ou l'essentiel des enseignements de Marie-Madeleine. Plus tard, les édifices, les œuvres artistiques et les personnes qui œuvraient dans la lignée de Marie-Madeleine portaient souvent le symbole de la rose. C'est pour ça qu'on trouve, on retrouve autant de roses dans les cathédrales ou les lieux sacrés. C'est pour ça, par exemple, que Thérèse de Lisieux est tellement connectée à la rose parce qu'elle transmettait ce même savoir, cette même gnose qui est l'importance de l'amour, qui est l'Église ou la religion de l'amour. Qu'est-ce que c'est du coup la conscience de la rose aujourd'hui? C'est une conscience naissante au sein de l'humanité, une prise de conscience de l'importance du féminin et un désir de permettre aux valeurs féminines de fleurir dans ce monde. Pendant très longtemps, on a vécu dans le patriarcat, on vit toujours dedans, on a exploré toutes les possibilités dans ce paradigme, on a vu qu'on ne peut pas arriver à un résultat harmonieux au sein de ce paradigme parce qu'il y a un élément clé qui manque, et cet élément clé, c'est cette conscience féminine, cette conscience qui respecte et soutient le vivant, qui n'essaye pas de maîtriser, de contrôler, de limiter le vivant. Marie-Madeleine est la guide et la présence spirituelle principale qui permet à cette énergie d'émerger. C'est pour ça aussi qu'on entend parler autant de Marie-Madeleine ces derniers temps et qu'elle est aussi présente ces dernières années à travers des livres, à travers des conférences, des films. Peut-être que plusieurs d'entre vous, il y a des années, ont vu le Da Vinci Code et que ça a allumé une étincelle de compréhension. Depuis, il y a eu tellement de films qui ont été faits à son sujet, de livres qui ont été écrits à son sujet et qui essayent tous de rétablir une partie de son histoire et en tout cas de nous donner plus de diversité dans l'histoire de Marie-Madeleine où aujourd'hui, on peut vraiment faire un choix sur quelle partie de son histoire résonne avec nous et comment nous, on a envie que son histoire soit racontée, soit écrite.
Elle catalyse la conscience de l'unité du masculin et du féminin. Elle est la rose et Yeshua est la rosée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, si on prend de nouveau la rose, on prend la forme de la rose, elle est ouverte vers le ciel. Cette rose est ouverte, elle est éclose. Et c'est ça aussi le message de la rose. Elle est le calice, elle est le réceptacle. Et pour pouvoir recevoir la rosée, les pétales de la rose ont besoin d'être ouvertes. Et c'est la même chose pour l'humanité. Si on veut avoir accès au masculin sacré, on doit passer d'abord par le féminin sacré. Parce que le féminin sacré est le réceptacle, est l'énergie qui reçoit. Si nous ne sommes pas dans un état de réception, nous ne pouvons rien recevoir. Et c'est pour ça qu'on fait expérience du masculin tordu, le masculin qui n'est pas sacré, parce qu'on ne s'est pas mis dans cet état de réceptivité d'abord. La conscience de la rose est une conscience d'expansion, de connexion, d'ouverture, de diversité et de beauté. Le culte de la beauté aussi, la beauté de la matière, la sublimation de la matière fait vraiment partie de l'énergie et de la transmission de la rose. On n'est pas ici pour rejeter la matière, pour essayer de quitter le monde matériel et d'aller vivre dans le monde spirituel, sinon on ne serait jamais né. On est ici pour sublimer notre expérience de la matière. Cela veut dire rechercher la qualité, les plus hautes fréquences dans le monde matériel aussi, dans chaque aspect de notre vie. Tout est sacré. C'est ça aussi la conscience de la rose et du féminin sacré. C'est qu'on ne rejette pas la matière, on honore la vie matérielle aussi. Pourquoi est-ce que cette conscience émerge aussi aujourd'hui? Parce qu'on arrive à un point de rupture. On l'a vu, on l'a vécu très fortement l'année dernière, on est toujours dedans. Il y a deux pistes qui se proposent à l'humanité aujourd'hui. Est-ce que nous allons davantage nous éloigner de la nature et de la vie naturelle en essayant encore plus de limiter, de contrôler le vivant? Ou est-ce que nous allons nous rapprocher de la nature et vraiment emprunter ce chemin de la rose, ce chemin de la conscience du féminin sacré qui est on fait confiance au vivant? On s'adapte au vivant et on n'essaie plus d'adapter le vivant à nous. Nous commençons aussi à comprendre que trop de voix ont été ignorées au cours de l'histoire de l'humanité. Et c'est pour ça aussi que la figure de Marie-Madeleine résonne tellement fortement dans nos cœurs et dans nos cellules. C'est parce que pas uniquement pour les femmes, pour l'humanité entière, elle représente toutes ces races, tous ces peuples, toutes ces personnes à qui on n'a pas permis de s'exprimer. Toutes ces voix des peuples indigènes, des peuples colonisés, des femmes qui n'ont pas pu participer au cours de l'histoire de l'humanité. La version de l'histoire de l'humanité que nous avons aujourd'hui, en majorité, a été écrite par les vainqueurs, par l'homme blanc colonisateur. C'est une version très stérile et limitée de l'histoire de l'humanité. Mais ces dernières années, grâce à un travail énorme d'historiens, d'archéologues, souvent féminins, on retrouve toutes ces voix et on retrouve l'importance des contes et légendes des peuples indigènes, on retrouve les traces de l'importance du féminin au cours de l'histoire de l'humanité et notre histoire est en train de se diversifier. Mais Marie-Madeleine représente vraiment l'importance de cette diversité et le fait de laisser libre cours à la voix de chacun et de chacune. Nous prenons conscience que notre société a été fondée sur l'inégalité. Donc, cette rose est aussi le symbole de ce désir de plus de diversité et plus d'unité et d'égalité entre les peuples.
on arrive à la fin. L'Église de la mort, déjà dans ce mot, tous les éléments y sont. Quand on comprend ce mot, on a tout compris. Dans ce mot, il y a la A, l'alpha, la M de Marie, le O, l'oméga, et la R, qui est le R du grec ancien, qui est le P du Christ. Du coup, dans ce seul mot, on a le début et la fin. On a le masculin et le féminin. On a l'unité, on a le mariage entre Marie-Madeleine et le Christ. L'énergie christique est féminin et masculin. On a besoin des deux énergies. Et donc, le message de la rose, c'est l'importance de cette connexion au cœur, de vivre depuis le cœur. L'importance de l'union, de l'unité entre le masculin et le féminin, l'égalité entre le masculin et le féminin, et l'importance de la quintessence, la fusion du monde matériel et du monde spirituel. On sublime le monde matériel, on n'essaye pas de le quitter. Dans ce mot, il y a aussi, on peut aussi voir le A de l'argent, qui est de nouveau la lune, le principe féminin. Le O est le symbole du soleil, c'est l'or, le principe masculin. Le M de Marie. Marie, son nom vient de la mer, des océans, de la myrrhe. Donc de nouveau, l'énergie des eaux primordiaux. Et la R peut aussi être l'énergie de Ra, du dieu solaire, ou la R de la résurrection, de la renaissance. Qu'est-ce que ça veut dire, la renaissance de l'Église de la mort? Peut-être que ce n'est pas une église physique ou une structure de dogme spirituel, mais plus une conscience qui émerge dans l'humanité aujourd'hui, une conscience du besoin de cette unité et de cette diversité, de cet équilibre et un retour à l'harmonie et au bon sens. Dans les deux symboles que vous avez sur ce slide, vous avez deux anciens symboles qui représentent l'or alchimique. En alchimie, le but ultime, c'était de transformer la matière en or. Évidemment, il s'agit surtout d'une quête spirituelle et symbolique, de nouveau de sublimer la matière. Et cet or spirituel est le fait d'incarner son corps de lumière dans cette vie-ci, dans la vie matérielle. Et évidemment, là, le symbole à droite est très intéressant parce que la rose de Vénus est aussi un des symboles qui représente l'or alchimique, l'or spirituel, la quête ultime de la transformation de l'être humain et de tout notre monde matériel.